Bonsoir à tous. Bonsoir, je m'appelle Eyar, je viens du sud Cévennes. Aujourd'hui, je viens participer à l'émission La carte au trésor. J'espère que vous êtes prêts pour une petite soirée, un truc qu'on avait préparé. Enfin, que, en réalité, Flaco avait préparé depuis un petit moment. Ce soir, on va être sur Arma 3. Et ce soir, on va jouer à une reconstitution de la célèbre émission que vous avez tous connue, parce que bien sûr, vous avez tous plus de 13 ans et demi. La carte au trésor. Vous l'avez deviné, hein. Donc, je serai dans l'équipe bleue. D'où le fait que je sois en bleu. Je serai avec Shook7. Je devais être avec Spock, mais il y a des problèmes de téléchargement. Je serai avec Shook7. Ce que je peux vous dire, moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a un présentateur. Il y a deux équipes. Dans chaque équipe, il y a un pilote, un médic et deux participants. Ok ? Deux équipes s'affrontent et vont devoir faire un cheminement sur la carte pour trouver l'étoile, bien sûr, de la carte au trésor. C'est le gros résumé, j'ai très peu de souvenirs de l'émission, je me souviens pas des détails. Je me rappelle qu'il devait se balader dans chaque région, répondre à des indices, etc., trouver des lieux, puis aller les mener jusqu'à un but final, trouver l'étoile, le tout en s'affrontant. Donc souvent, on voyait les deux équipes arriver, ils avaient tous les deux trouvé en même temps les indices, ils allaient tous vers une direction, ou des fois, ils partaient complètement à l'ouest. Ce qui peut arriver ce soir, ok? Mais c'est l'émission. Voilà. Dans le sud c'était bien, ouais voilà, moi j'aimais bien quand c'était vers chez moi. Il y avait une célèbre émission qui s'était déroulée dans le coin d'Aigues-Mortes et tout ça, je sais plus où était l'étoile, mais voilà. Donc il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout, ouais. Jean Kikou et Jean Kevin peuvent rentrer chez eux. Donc équipe bleue, participant 1, Bibi et Yar. Participant 2, Shook7. Notre Samu sera Mazza, notre pilote sera Flaco. L'équipe blanche, c'est blanc? C'était pas rouge? Quoi? Blanc, Larsouille, journaliste. Ah, le blanc, c'est Larsouille, le journaliste, ok. Saïsera qui sera le premier participant de l'équipe rouge. Homme, c'est le deuxième participant de l'équipe rouge. Nox, le pilote de l'équipe rouge. C'est dur, hein. Flurz, le salut de l'équipe rouge. Non. Le pilote, ce sera Flurz. Et le salut de l'équipe rouge, ce sera Scellé. Vous voyez, la map, elle est coupée en 4 ronds, ok. Oui. Le premier, c'est le bleu. Okay. Donc... Violet. Le bleu, ça va être le bleu violet. Ça va être la première phase. La deuxième phase sera la orange, la troisième la jaune, et en fait la phase finale sera sur la rose. Et mais bah il part en forêt. J'avoue qu'il y en a, ils sont en deux, hein. Ah, ils ont cassé les couilles avec son émission. Ok, donc on commence dans la zone départ. J'ai pas compris, wesh. On commence dans la zone départ. Oui, c'est ça. Ça va ? Alors j'explique. Dans la zone de départ, vous allez avoir bon, les hélicoptères et tout ça. Vous allez avoir des panneaux. Les panneaux, c'est un petit peu les énigmes, d'accord ? Elles seront marquées dessus. En gros, à la fin des énigmes de la bleue, vous aurez un héliportage, on va appeler ça comme ça. Un héliportage gratuit. D'accord. Et à la fin de la phase orange, vous aurez aussi un héliportage gratuit. Vous avez en tout 7 hélicoptages, en comptant héliportage. Hein. Mmh. 7 appels à l'hélico, d'accord. Il y en a 2 gratuits, donc, ce que je viens de vous dire, et 2 et 5 payants, enfin, entre guillemets payants. Pour les envoyer, en fait, c'est simple. Alors, il y a un sapeur et un opérateur drone dans chaque équipe. Il y en a un qui aura des fumigènes, d'accord ? Ok. Celui qui a des fumigènes, il a 2 fumigènes vertes et 5 fumigènes rouges ou bleus. Donc, en gros, les vertes, c'est celles que vous allez devoir utiliser pour partir de la bleue à la orange et de la orange à la jaune. Et les 5 bleus, vous les utilisez quand vous voulez. Mais juste, un conseil, les utilisez pas toutes pour aller à 3 mètres, d'accord ? Et essayez de les utiliser intelligemment. Et pareil, un autre truc, c'est que quand vous utilisez l'hélico, n'hésitez pas à demander à survoler les zones, etc. pour trouver les choses, d'accord. Parce que, par exemple, des fois, vous aurez des énigmes qui vont vous amener faire aller sur plusieurs lieux en même temps. Donc ça peut être intelligent de demander au pilote d'hélico de faire un petit survol de l'île, par exemple. Et donc, il vous survole, et si jamais il y a un petit malheur, un accident de voiture ou autre, là, vous appelez le SAMU qui est dans vos channels respectifs. Exactement. Oui, on a un médic par équipe, de toute façon. Ouais. À gauche, il regarde les lumières. Ok, tous les candidats sont prêts. Parti. Ça commence. Go, 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 go. Je te suis, je te jure, je sais où c'est. Là, suis-moi. Mais vous éclaire pas, ce Mais wesh, mais il fait nuit, on voit rien. Éclaire-les. Ok. La maison moderne sur l'île de Douane. Oh putain, faut l'écrire. Attends. Matza, t'es monté avec moi en copilote, Matza. Nico bleu. Les scooters des mers, vous attendez. Ok. Prendre scooter. T'as noté ou pas? C'est bon, moi j'ai noté, ouais. Vas-y, on se casse. Monte dans le bleu.
Non, pas d'hélico là, c'est pas maintenant, c'est pour quitter l'île. Mais oui, pour... regardez. Pour quitter l'île, l'hélico. Ok. Tue-moi, Chouxette. Je suis ? Bah ouais, il faut qu'on parte à pied là, y'a rien d'autre. Hein. Vas-y, je te suis. C'est pas là, c'est par là-bas ? Ouais, c'est par là-bas. Ils sont déjà partis comme des oufs, hein ? Je sais pas, c'est parti comment, j'en sais rien du tout. Ouvre ta map, tu vois Nani ? Y'a des quais. Y'a des quais, il faut trouver la maison moderne qui est sur les quais à Nani, juste en face de nous. Tu vois ? T'as mal lu les quais, ça va. Ouais. Maison moderne sur l'île de Douai. Ah d'accord. L'île de Douai, t'es 16 ans, ça je me suis dit t'as mal. L'île de Douai, c'est où on est ? Non, l'île de Douai. C'est l'île d'en dessous. C'est l'île à côté à gauche. Ah oui, je la vois. Mais oui, c'est pareil, il faut qu'on aille sur les quais à Nani, qu'on prenne les motos et. Vas-y, viens. Dans tous les cas, faut qu'on parte là-bas. Ah, je savais pas, je croyais que l'île où on était, ça s'appelait Douai. Non, mais à vouloir aller trop vite, on n'a pas pris notre temps. À vouloir aller trop vite, je sais pas, les autres sont déjà partis, hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps. L'île où il est mal écrite. Devant vous, là. Vous allez. Ouais, les quais de Nani. C'est chaud en vrai quand. Ah, je les vois. Enfin, je vais juste dire. Il y a des jet skis maintenant dans le jeu. Est-ce qu'on peut monter tous les deux dans le jet ski? Ouais. Je pense, viens, t'inquiète. Ça fait 20 ans que j'ai pas conduit un truc, il y mais en a vas-y. Deux, donc je pense que c'est un parti. Non, ouais, vous pouvez deux. Monter à deux si dans le. Viens, ça ira plus vite. Vas-y. Oh putain, merde. Non, mais ils se barrent sans moi, tu sais. Vas-y, monte. Vas-y, ça va vite. Okay, guide-moi, c'est là-bas. Hein. Je pense que c'est là-bas, mais guide-moi au pire. Mais vous devez chercher quoi à l'île de Douai? Une maison moderne. D'accord. La maison moderne. Putain, mais ils sont déjà partis. C'est pas grave, attends, vous avez le temps. Oh, je le sens mal. Je veux la rose des vents. Putain, ils ont fait des jet skis, cool. Je vais déverrouiller les commandes au cas où, Massa. Tu crois qu'on la voit de la côte ou pas? Pilote, tu nous suis? Oui, je suis au-dessus de vous. Est-ce que tu peux nous dire si tu vois sur l'île de Douai, survol un petit peu, nous dire où c'est alors qu'on peut accoster? Là où vous arrivez, il y aura un petit village. Ouais, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'y descendre si la maison moderne est ailleurs. Il y a deux véhicules de ce village. Ok. De l'autre côté, il y a un autre village. Donc si vous voulez faire le tour, il y a un autre village avec plusieurs maisons. Bah, Victor Milico, normalement, une des maisons, tu devrais la repérer mieux que nous. Hein. Ouais, il y a une maison qui a un toit en... En quoi? Parce que là, c'est du toit en paille, ici. Ouais, et là, il y a une maison qui n'est pas un toit en paille. Elle est de l'autre côté de l'île? Ouais, de l'autre côté de l'île. Là. Ok, on fait le tour, alors. T'aurais dû prendre l'autre côté. Tu crois? C'est beaucoup plus long. Ouais, c'est beaucoup plus long, là. C'est pas grave. Non, mais c'est bon, on est pas loin. Ouais. Et oui. Alors, si vous saviez pas, à l'époque, dans le jeu, ça se passait vraiment comme ça. C'est-à-dire que souvent, l'équipe au sol disait à son hélico. Et en fait, ça devenait presque un membre de l'équipe. Le mec en hélico était quasiment un membre de l'équipe. Il aidait beaucoup, il donnait des conseils, des fois. Genre, reprendre sur l'énigme, je crois que j'ai déjà vu ça dans une émission. Dire attends, mais vous êtes sûr que vous avez bien compris et tout, relisez, prenez votre temps parce qu'on va se poser dans un moment, tu vois, ils disent des trucs comme ça. C'est là où tu survoles, pilote? Ouais. Putain, il y a déjà l'hélico des rouges. Essaye de manœuvrer pour les faire se cracher. Vas-y, c'est de l'anti-jeu, ça, les gars. Il y a un grand bateau là, hein. Je sais pas si tu vois. Ouais. Vas-y. C'est sur l'île ou dans ce village que... Il y a un port, Vas-y, éjecte. Get out. Donc ouais, la maison que je vous parlais, c'est la verte. Bon, attends, parce que là, du sol, on voit pas trop. Maison verte, ça? Cette maison, là? Ouais. Ah oui, il y a une grande maison, ouais. Ben, ça y est, on l'a trouvé. Ils sortent, bloque-les. Prenez deux trousses de secours par personne. Attends, vous pouvez me lire? Alors, prenez deux trousses de secours par personne, vous trouverez les coordonnées pour la prochaine destination en résolvant ces trois énigmes. Lis les énigmes et prends les trucs. Trouver refuge au surplomb du labyrinthe. Énigme numéro 1. Vous l'avez marqué? Attends. Ok, tu pourras prendre des trucs. Putain, c'est dur ça! Au surplomb. Labyrinthe. J'ai écrit, là, j'ai écrit comme un con. Suivez l'entraînement de Sébastien Loeb. C'est un parcours de voiture, ça, j'en suis sûr. Même Sébastien Loeb, il est passé par là.
Non, il y a un entraînement, je suis sûr qu'il faudra aboutir, finir le machin pour continuer l'énigme 3. Trouver l'endroit où les ondes se propagent. Ça, c'est une antenne, ça. Ouais. Vous avez noté les trois énigmes? Ouais. Attends. Okay. T'as noté que je vous prenne un hélico ou pas? Les autres sont partis en hélico. Ouais, je pense, hein. Okay. Parce que le refuge est surplombé un labyrinthe. Donc c'est forcément sur cette île, ça veut dire. Non, dans cette zone. Dans la zone bleue. Dans la zone bleue, donc il faut qu'on retourne celui du début, je pense. Balance-moi un fumier, je me pose si tu veux. Attends. Faut juste qu'on retourne à la zone de départ? Mais il faut qu'on trouve le premier, c'est le refuge qui surplombe le labyrinthe. Lance une fumée, parce que sinon il peut pas descendre. La fumée bleue, hein, pas verte. La fumée bleue. Et toi, Chou, que ça? Chou, il faut que tu dépêches un peu, c'est une course. Hein. J'ai noté. Trouver le refuge qui surplombe le labyrinthe, le parcours de l'aube là, et trouver les ondes. Le 3, c'est ça. Une bleue, c'est ça, pas verte? Ouais, une bleue, ouais. On va faire au bord de la plage. Ah ouais, mais Chou, il faut que t'ailles plus vite. Va y arriver. Elle se familiarise. Tu l'as envoyé? Let's go! Elle se répand petit à petit. Ah ouais. Écartez-vous, s'il vous plaît. Waouh! Ils étaient meilleurs que ça, les pilotes, à la base. Hein. Ok, go, Choux! Ok, donc là, on va où? On va sur l'île. On va éviter cette petite, on va à l'autre direct. Survole rapidement celle-ci. En fait, tu vas la traverser. Survole là un petit peu avant d'aller sur l'autre, parce que si ça se trouve c'est là, on sait pas. Hein. Vous devez chercher quoi pour réduire les énigmes? C'est le refuge qui surplombe un labyrinthe. Ok, après? Ensuite on doit faire le parcours de Sébastien Loeb là. Ouais. Et ensuite on doit trouver le truc qui répand les ondes là, donc une regardez antenne. Regardez votre carte. Ah c'est ce que je cherche, mais le labyrinthe ça me dit rien là, labyrinthe je vois rien qui ressemble à... Sur la carte si vous voyez pas un labyrinthe ou... J'ai l'impression qu'il y a... Vehicle Range à droite là-bas, qui ressemble un peu à un dédale. La GSM station, je l'ai trouvé, donc ça doit être ça pour le troisième. Ok. Mais le labyrinthe en lui-même, ben, si la 1 et la 2 se suivent, ça serait au nord-est de l'île du départ. Il y a une piste, il y a la piste d'entraînement véhicule sur les trucs de l'Ob, ça c'est sûr tout au. Ok, vous voulez que j'aille là-bas en premier? Ouais, survole l'île en allant vers Vehicle Range. Dans n'importe quel ordre? Oui, il n'y a pas d'ordre. Ben, tu peux t'arrêter à GSM station, Pierre. Alors c'est où GSM? Ok. GSM station. Je vais juste la survoler. C'est à gauche là, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Si on la survole, on considère qu'on l'a trouvée? En fait, il y a des énigmes. Ah, il faut descendre, ouais. Donc le problème, c'est que je vais vous déposer à un des trois. Attends, regarde s'il y a un véhicule. Regarde s'il y a un véhicule, comme ça on continue à. Oui, là je vois un camion en face, c'est un camion. Ok, alors laisse-moi la GSM station et tu voleras ensuite vers Vehicle Range. Je vous dépose. Vous voulez pas survoler un peu plus l'île? Parce que là vous avez le premier objectif, mais vous avez pas tout découvert. Non, le premier on l'a pas justement. Non, mais si, là vous avez GSM à gauche. Ouais, ouais, c'est le troisième. On va atterrir la GSM station. Est-ce que vous voulez qu'on trouve le labyrinthe ou... Ouais, si. On a trouvé les deux indices là. C'est le terrain d'entraînement. Il y a donc des c'est le truc de l'aube. Ouais. Ok. Le labyrinthe, ça pourrait être quoi? Surplombe le labyrinthe. Sur la map, si vous le trouvez pas. Ouais, j'essaie de voir. Surplombe le labyrinthe, je vois pas ce que ça veut dire, putain. Ce serait pas tout en bas, Belleforme? Surplombe, c'est qui est au-dessus. Ouais, un refuge qui surplombe un labyrinthe. Vous me dites si vous voulez que je vois le plus bas. Est-ce que tu peux aller vers Coms Whiskey là-bas? Je sais pas où c'est. Au sud de la GSM station, je sais pas, il y a une montagne. Il y a une zone montagneuse et il y a écrit Coms Whiskey. Au sud de la GSM station, à l'ouest de notre position là. Labyrinthe, on va droit sur un truc qui est marqué labyrinthe. Il y a un labyrinthe. Ah oui, c'est là. Je vous dépose à l'aube pour avoir des véhicules. Ouais, dépose-nous au véhicule et ensuite tu nous guideras, on ira en véhicule. C'est donc ici, je vous guiderai jusqu'ici, ok. Ah ouais, tu nous déposes au labyrinthe. Non, mais il y a des trucs là, il y a des bateaux, je crois, je vois des bateaux en dessous. Mais des tu bateaux. Peux pas y aller en bateau sur l'île. Eh, on peut pas aller, il faut, en fait, il faut mais qu'on... Non, tu peux continuer. Mais non, mais il faut faire les trois trucs. Mais oui, non, mais on récupère, si on finit le labyrinthe maintenant, là c'est trop tard. Mais non, mais Chou, il faut que t'ailles au 3, il faut que t'ailles, il faut pas juste dire où il nous dépose au labyrinthe, on prend un véhicule et on part jusqu'à la GSM station. Non, là vous allez au labyrinthe. La GSM station, les rouges, ils ont été... Pose-nous au SUV qui est au Vehicle Range. On fait le Vehicle Range, ensuite on descend jusqu'à la GSM station. Et après, il faudra peut-être qu'on utilise un vol, hein, parce que ça va être chaud. Hein. Ah, attendez. Ah, mais quand on aura je vais voir, c'est la RAM qui a bug. Ça va faire loin. Ah, attendez, je l'en pose. Choux, ça va faire loin entre la GSM station et le labyrinthe, non? Non, mais ce que je voulais qu'on fasse, mais il y avait des bateaux en fait. On aurait pu finir le labyrinthe, monter ici, par bateau,
Mais tu les voitures et aller sur la GSM. C'est pareil, c'est pareil. Ouais, ça revient au même. Un véhicule ou un bateau, ça longe la côte. Oui, oui, après, oui, voilà. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'entre la GSM station et les labyrinthes, on y va en hélico? Bah, là, franchement, on est très proche. Hein. Ça serait bête d'utiliser un hélico. Ouais, l'île est petite. Hein. C'est la plus petite. On fait tout en voiture. Hein? Pourquoi tu pilotes? Parce que t'as dit tu revenais. Du coup, ça leur faisait perdre du temps. Vas-y, déverrouille, là, j'ai pas. Vas-y, go! C'est bon. Attention, go, hein, parce que. Eh, je suis pas descendu, moi, je suis pas descendu! Oui, mais en fait, il m'a lâché les commandes. Alors, il y a écrit quoi? Il va falloir faire le tracé? Résolvez les trois énigmes pour compléter les coordonnées. Ah, c'est ça, une fois les énigmes résolues, contactez le pilote pour vous faire héliporter aux coordonnées. Encore? What? Attends. C'est la 3. Vous avez les coordonnées? Vous avez les trois équipes pour les pour compléter les coordonnées. Donc il faut aller. Attends, il faut noter les trucs là. Non? Tirer, 1, tirer, 3, tirer. Ok. Mais attends, Une fois les trois énigmes résolues, contactez le pilote pour vous. Ok, mais c'est bon, on a une partie des coordonnées, on continue. Ok, prends la voiture, on y va. Ouais. Vous avez noté les coordonnées? Ouais, j'ai noté. Oui, j'ai noté. T'as marqué les tirés aussi. Hein. Ouais, j'ai noté. Bah oui, c'est les chiffres manquants les tirés. Vous voulez que je vous guide jusqu'à la Là, tu me guides jusqu'à la GSM station, je pense. Non, c'est bon, je l'ai, t'inquiète. Tu veux faire GSM station? Bah, allez au labyrinthe, c'est plus court. Hein. Ok, bah vas-y, guide-nous jusqu'au labyrinthe alors. Bah, suivez cette route là. Vers la gauche comme ça? Ouais, vous allez tout droit. Je suis la route à gauche. Let's go. Là, vous suivez la route à gauche, là, vous tournez à gauche et vous suivez la grande route. Puis la grande route, c'est bon, je peux le guider sinon. C'est là. Ouais, prends tout de suite. Suis tout le temps la route, suis tout le temps la route. Go. Bon, on pourra même. Je sais pas si on peut. Je peux couper quoi. Faut tout le temps que tu suives la route à gauche quoi. Ah, tu ouvres ta carte de temps en temps, je longe toujours à gauche. Hein. Non, mais je suis tout le temps. Je suis tout là, le temps tu vas devoir tourner à gauche. Bah... Ok. J'aimerais qu'on évite de se cracher, non, t'as vu. Voilà, continue. À gauche, non, c'est à droite, bon, c'est bon. Non, mais là, c'est bon. Non, c'est bon. Ils vont au labyrinthe. Oh putain. Je suis toujours. Hein. On fait labyrinthe, on remonte sur GSM. Bon, Romy, la déco, du coup, il va se faire héliporter jusqu'à. Ouais. C'est normal. Espérons que ça leur fasse perdre du temps. Bah ouais, oula, dépêche. Et nous, on a perdu du temps aussi, un peu. On est sur la plus loin sur la route. Ils ont le feu aussi. On va arriver au labyrinthe là. On est à 200 mètres, continue, on arrive. Vas-y, c'est à 100 mètres devant là. Tu descendras seul, je pense, hein. Peux t'arrêter, arrête-toi, je t'ai dépassé le truc. Ouais, mais attends, tu veux que je fasse demi-tour? L'énigme ici c'était. Trouver refuge au surplomb du labyrinthe. Ok. Trouver refuge au surplomb du labyrinthe. T'es sûr que tu vas à pied? C'est pas au labyrinthe. Non, c'est au-dessus, c'est la montagne au-dessus. Non. Ouais, non, mais c'est pas ça que je. Bah, j'y vais à pied, non? Je sais pas. Tu es en jeep? Hein, véhicule, si vous pouvez. Hein. Tu es en jeep, hein? Donc, ça, c'est techniquement, c'est dans la montagne Washu. Ouais. Ouais, regarde si tu vois quelque chose, regarde si tu vois un refuge pilote. Oui, c'est pour ça que j'y vais à pied, attends. Je vais l'écraser. Non, t'inquiète. Viens pas. Là, je suis là, mais regarde si tu. Mais pilote, normalement, tu devrais voir un refuge, toi. Moi, je vois des ruines en face. Y'a un truc au-dessus de moi, là. Y'a un truc au-dessus de moi, là, j'y vais. Un refuge, ça veut pas forcément dire un petit outil. Mais est-ce que, tu vois, c'est... Ouais, est-ce que ça, c'est un refuge? Un refuge, c'est un abri, hein. Bah, là, techniquement, c'est un abri anti-atomique, quoi. Ah, bah, c'est pas mal alors. Ouais. Avec la Jeep, je suis où, là? Là, c'est tout droit. C'est vers Ouachoux? Ouais. Bon, gars, si ça se passait comme ça dans la carte au trésor à l'époque. Un niveau de ruine ou un truc comme ça. Hein. Le niveau de ruine ou un truc comme ça, et je sais pas trop si. Je vois rien du tout, regarde. Ah si, c'est. Pas moyen de rentrer dedans. Il doit y avoir un passage. Je descends. Ah là, c'est bon, là, attendez, il y a une porte. Mettre la pression, ces mecs. Ils ont fermé la porte, ces enfoirés? Non, attends deux secondes, il y a des escaliers, je vais monter en haut pour voir. Ok, j'ai trouvé. Alors, c'est bon, j'ai noté. T'as noté? Ouais, c'est bon, on bouge. Vas-y, go. Il faudra que. C'est quoi, c'est des chiffres comme tout à l'heure? Ouais, c'est 0-0, genre. Ok, non, mais viens dans le 4-4. Je te donnerai les miens et tu les assembleras, comme ça on n'attendra pas. Et j'ai déjà les autres, t'inquiète, j'ai les autres. Ah, ok, bah, c'est bon alors. Donne-nous la direction pour la suite. Le. Ah, je laisse, la GSM. Je me souviens plus trop où était, mais essaie de vous la revoir. Moi, je m'en souviens. On doit redescendre par la route ou il y a un raccourci? De là où je regarde, donc demi-tour derrière vous. Ouais, mais c'est malin d'y aller hors piste? Oui, je pense que là il faut y aller. Ou alors récupérer la route en face, comme vous voulez. Ouais, bah non, récupère. Je suis déjà en train de descendre là. Bon, comme ça?
Putain. Je vais récupérer la route sur la droite. Je vous vois plus, ok, ouais. Ouais, ouais, récupère. Voilà, récupère la route à droite, va à droite. Attends, parce qu'ils sont fragiles. Les concurrents, ils sont là, je viens de les voir, ils sont avec une. Là, je vais à droite. Attends, y'a pas de route là, wesh. Tout droit, tout droit. À droite, continue tout droit. Vas-y. J'essaye. Ouais, tu peux continuer, hein, pas besoin de prendre la route. Hein. Je vais comme ça. Ouais, vas-y, toujours tout droit là. Là, c'est tout le temps tout droit. Eh, gueule, je suis un pilote. J'étais trafiquant d'héroïne sur Altis Life à l'époque. Si tu veux, tu peux récupérer la route. Hein. Vers la droite ou vers la gauche? Récupère la route, c'est plus sur la gauche. La station, elle est tout en haut, là, à votre droite. Vas-y, go. Là, dans cette direction là? Ouais, après on prendra à droite. Sinon, tu peux. Ah, je la vois, l'antenne, je la vois. Donc voilà quoi. Bah, y'a une barrière en face de toi. T'inquiète, je t'ai dit que j'étais trafiquant. Héroïne, cocaïne, cannabis, j'ai tout fait moi. Mon dieu. Ok, on la rush. Du coup là, vous avez pris les coordonnées de là. Dès qu'on te donne les coordonnées, ouais, tu. Ouais. Eh, hey, je trouve que ça, dès que t'as les chiffres, tu envoies une fumée. Hein. Ouais, mais quand vous êtes en haut, envoyez-moi la fumée verte, les gars. Celle-là, c'est la gratuite. Ouais, c'est pour partir de l'île. Eh, même limite, c'est quoi? Oui, envoie la fumée. Dès qu'on arrive, tu envoies la fumée, ensuite on prend les codes. Le temps qu'il se pose, comme ça, on part. Ça marche. Putain, y'a des grillages. Oula. Pas grave, pas répète les grillages. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un CPT à ta gauche, à ça maintenant. Ouais, merci. Vas-y. Et là, tu peux aller un tout droit. Vas-y, go. Eh, je suis à fond. C'est une Jeep, c'est pas un Dragster. Vas-y, balance le fumier le temps qu'il trouve un endroit. Oh, putain. Eh, ne jamais sortir d'un véhicule comme ça. Elle est tarée. Bah, récupérer les coordonnées, je vais acheter la fumée. Vas-y. Mais jette la fumée. La verte, ouais. C'est bon, vas-y, récupère les coordonnées. Eh, je cherche, attends. T'as trouvé le panneau ou pas? Oh, ouais, non, j'ai pas trouvé le panneau pour l'instant. Ok, la fumée est là, je vais me poser ici, c'est pareil. Il faut monter, sur l'antenne, tu crois? Wesh. Attends, non, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais, j'ai tout. Casse. C'est bon? Avant ouais. De se barrer, s'il vous plaît, vous pourrez les coordonnées où on va aller. Oui, je te les écris ou je te les donne à l'oral? Vas-y, donne-moi les à l'oral. 021-034. C'est pas trop mal. 021-034, ok, j'ai. Ok, on se casse. 021-034, ça commence par où ça? C'est parti. C'est sur l'île vers l'aéroport. Sur l'île vers l'aéroport. Ok, au sud-ouest. À 10 km, c'est parti. Les villes autour, c'est Yanuka, la baie de Kumak, Lailai. Mais non, mais Prince, il est partout. Ça nous ramène où alors? Au sud-ouest. Au sud-ouest, le groupement d'îles là, mais c'est l'île la plus grande. Ça nous dépose à l'aérodrome de Balam. Ouais. De Balam, quoi. Donc à votre gauche, l'archipel de Vanuatu. Longtemps l'archipel maître de l'île de Tanoa. C'est la culture générale de l'émission. C'est trop stylé, on a des petites étoiles sur les épaules. Ouais, avec la boussole, putain. Trop stylé. Bon, et bien le Samu, tu te sens pas. Bon, donc là c'est fini, attends, parce que j'ai plus de place sur mon enveloppe là. Bah, il vous aide aussi, hein. Ouais, il faudrait qu'il m'envoie plus de factures, d'ailleurs, j'ai plus rien pour écrire. Si tu veux, j'ai donné des post-it, mec. Bon, là, je pense que vous êtes passé en première position. J'espère. J'ai pas vu les rouges. Ah, quoique, peut-être qu'ils sont partis avant. Et ils ont peut-être pas fait, ils ont pas fait dans le même ordre que nous, je pense. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que les rouges, tout à l'heure, allaient au labyrinthe et ils ont fait le truc de sport vu qu'ils avaient une voiture de sport. Alors, ils ont été plus malins sur ce coup-là parce qu'ils ont pas pris la Jeep. Ils ont pris la voiture qui allait plus vite. Ouais, mais nous on a pu monter à travers champ facilement aussi. Ouais, mais ils avaient un SUV, c'est quand même. Ah oui, d'accord, le SUV, ouais. Ouais, mais nous on a pris les vraies voitures avec l'étoile et tout, c'est pour ça, t'as vu. On joue avec les vrais trucs, tu vois. Faut qu'on gagne. C'est quoi le lot qu'on gagne là? Ah, c'est l'étoile. La rose des vents. La rose des vents, exactement. Et bah, un peu de monnaie, tu verras à la fin, il y a la monnaie. En fait, faut vraiment qu'on trouve vite les informations sur la carte et tout. Ouais. Ok, contact 800 mètres. Vas-y, moi je commence déjà à regarder qu'est-ce qu'il y a.
Là, il y a des champs. Là. Il y a un grand avion là sur le truc. Ouais, ouais, c'est normal. Mais je vais prendre l'avion pour se casser. Essaye de regarder en visu. Il y a une épave aussi. Il y a des épaves partout en vrai. Il y a un grand pont. Et donc, il y a les trois véhicules, donc techniquement, ils sont pas là. Il y a des jeeps, hein. Il y a des mangroves. Ouais, il y a trois jeeps, mec. Ils sont pas encore partis, hein. Moi, j'ai déjà trop. Mais crève les pneus, crève les pneus. Non. Donc, ici, vous devriez avoir un panneau, je pense. Ouais, ouais, ouais. J'essaie de le trouver déjà, là, putain. Ouais, j'essaie de regarder sur la map s'il y avait pas, c'est comme tout à l'heure, un labyrinthe, enfin c'est pas un labyrinthe, tu vois ce que je veux dire, mais... Alors, panneau trouvé... Il doit sûrement y avoir un panneau, okay. Panneau trouvé, panneau trouvé. Rejoignez la ferme au nord de l'aérodrome. En fait, si t'attends avant de décoller, on n'a pas besoin de renvoyer un fumier. Ah non, 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 là c'est... Ouais, donc attends avant de décoller. Non, vous devez renvoyer un fumier. Sérieux? Oui, oui. Rejoignez... Et il y a une ferme, eh, La ferme au nord de l'aérodrome. C'est pas loin, ça. L'aérodrome, c'est loin. Ouais, mais... Ah oui, mais il est où la ferme? Au nord de l'aérodrome. Regardez la map, hein, il y a des trucs. Après. Et c'est ce que je regarde, mais il y a une forêt. On va être le tour, vous avez les voitures au pire. Là, ouais, moi je peux pas vous dire, il y a de la brume épaisse, je vois pas à plus de 300 mètres. Vas-y, vas-y, go. Ok, vas-y, on prend la Jeep, c'est quoi? Fais le tour. On pourrait diviser aussi, ça serait mal. Au nord de l'aérodrome. Non, mais comment on fait pour ouvrir la boussole? Déjà, c'est K, non? Ah, c'est à droite, c'est à droite, va à droite, c'est bah, t'inquiète, j'ai la boussole, j'ai la boussole. Là, je vais pile au nord de notre position là. Ouais, vas-y. Et c'est vrai que la brume, c'est chaud. Attention, il y a des barrières. Des barrières. Ah, là, je vais un peu à l'est. Parce... Là, oui, je sais, mais il y a une barrière. Ouais. Elle est cassée là, à gauche. Ah, faut pas qu'on s'éloigne trop, hein, aussi. Si. Regarde la map, tu vois rien. Ouais. Vraiment au nord, parce qu'au nord, c'est vague. Hein. Bon, rien. Il y a à gauche, je pense. Continue, il y a l'air d'avoir un petit. Un petit quelque chose, genre à notre gauche là, à peu près à. Attends, là on est en hauteur, essaye de voir si tu vois quelque chose. Là, non, mais je pense vois... qu'à 200. Arrête. Ah, il y a un bâtiment à gauche là, regardez. À là droite où je là. Attends, oui, regarde. Moi, là. Ouais, mais bah, c'est là où on va. Donc juste derrière les rochers là. Ouais, ouais. À 300 mètres. Des véhicules là-bas aussi. Attention. Bah, ça, tu peux dire à Saïsera les positions où on est à chaque fois. Quoi? C'est vers la chose. Ouais, ouais, je pense que c'est là, hein. C'est ça. Ah ouais, je vois un bâtiment, ouais. Nord. Oui, oui, je vois des abris en tôle. Ils servent probablement à stocker du foin. C'est une ferme. Oui, c'est une ferme. Oui, on a trouvé la ferme, on a trouvé la ferme. Et attends, on se gare plus près parce que... Il y a des chevaux, je rêve. Des vaches. Ou des moutons, ou des cochons, quelque chose comme ça. Et tu sais quoi, on descend là, on saute. Oh, il y a un chien, fais gaffe. Oh, ça va, il nous veut rien. Il m'a fait peur, en plus. Mais il y avait vraiment un chien. Il s'amuse. Mais moi ça m'a fait peur. À l'intérieur, je te tiens au courant. Vas-y, mais je descends. Hein. À l'extérieur. Y'a un mec. Bonjour, donnez-moi l'indice, monsieur. Panneau, deux panneaux trouvés, vas-y, rentre. Vous trouverez les coordonnées pour le prochain. Pour la prochaine destination en résolvant ces trois énigmes. Cherchez la zone de stockage des réserves alimentaires de l'île pour la première énigme. Ok, vas-y, lis les énigmes, moi je commence à regarder s'il n'y a pas un silo ou quoi. Est-ce que tu vois quelque chose au nord de notre île, là, vers Cerebu, là, de loin, tu vois pas des trucs? Non, je vois que la forêt, là, et de la brume. Ah, putain, la brume, putain. Je rate si je vois pas... les réserves... Je me trouve au milieu de la liaison des deux terres, c'est un pont, ça. C'est le pont, ouais, c'est le pont. Il me faut un pont. T'as noté? Tu notes tout ça? Je suis en train. Ok, vas-y, je commence à regarder l'île, moi. Je crois que par réserve alimentaire, ils veulent des silos. Parce qu'il y a des champs, au centre de notre île, il y a des immenses champs. C'est aussi une réserve alimentaire. On va aller là-bas d'abord. Alors, énigme 3, je me trouve dans la plus grande hutte du village de Mongrove. Déjà, trouve-moi l'île de Mongrove. La ville de Mongrove. Le village de Mongrove. Relis. Je me trouve dans la plus grande hutte du village de la. Ah, de la mangrove. Ah, la mangrove, j'ai trouvé, elle au nord-est. Attends. Bah, ça va, elle a trouvé. Il y a plusieurs mangroves, il y en a deux, moi j'en vois 3 sur 4. Ah, ouais, il y a des immenses mangroves sur la deuxième île. Plein de mangroves sur la deuxième île. La deuxième île de notre archipel. Il demande des villages. Hein. Il y a trois villages près des mangroves. Il y a Navuka, l'Aéroco et Tabu. Il demande la grande hutte du village de la mangrove. Le village de la mangrove. La plus grande hutte du village de la mangrove. Bah, le village de la mangrove, moi je dirais que c'est l'Aïkoro. Je sais pas. Ça peut être un des trois villages en fait. Non, un des deux villages. Des trois, il y en a trois. Ouais, il y en a trois, mais l'autre il est pas vraiment dans la mangrove. Ouais, je sais pas. Il y en a trois vers la mangrove. Dans tous les cas, on passera au pont en premier.
Mais vous voulez que, donc là, vous voulez que je vous prenne, si vous voulez que je vous prenne, fumier bleu. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve les réserves alimentaires. Mais on peut survoler l'île, ouais, si vous voulez. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on survole, là. Okay. Attends, on va aller vers ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ah, bah, envoyez un fumier, s'il vous plaît, par contre. Pas dans la maison, là, à côté, dans la cour. Il y a des moutons, je pense. Ouais, non, mais attends, parce que... Attends. Je me trouve au milieu des deux... de liaison des deux terres. Mais il y a master, mon gars, il y a plein de petits îlots autour. Non, mais la liaison des terres, c'est le grand pont, c'est obligé. Au milieu du pont, c'est en plein milieu du pont. Il y a un pont, ouais, là, qui relie les deux grandes villes. Au niveau du ferry, quoi. Ok, oui, voilà. Ça c'est au niveau du ferry, en plein nord, ferry. Ok. Attends, à gauche, c'est chercher la zone de stockage des réserves alimentaires de l'île. C'est des silos, ou c'est les champs, ou c'est les silos. Vas-y, t'as noté, viens, envoie le fumier, parce que le temps qu'il se pose... Si t'as bien noté, on réfléchira après, si t'as bien noté. Ah, moi, j'ai c'est clair qu'il faut pas partir... Vas-y, c'est pas grave, si tu te comprends. Envoyez-le là, s'il vous plaît. Envoie le fumier au milieu du champ, là, ou quoi. Hey, mais par les réserves, ça peut vouloir dire. Non, c'est pas possible que ce soit les champs, c'est trop vaste, on pourrait pas. Il faut trouver des silos. Ah, pour ça. Moi, je pense que jusqu'à maintenant, on a eu des cheminements logiques, tu vois. Donc, ça serait logique qu'on traverse l'île. Là, on a fait un objectif à la ferme. On va à droite, on trouve les silos à l'endroit où j'ai écrit silos. Ensuite, on remonte sur le pont et ensuite, on remonte sur les mangroves. Ouais, mais les mangroves sont où? Moi, je les vois pas du tout. Les mangroves, c'est une fois que t'as traversé le pont. Ah, c'est de l'autre côté du pont alors. Voilà, la mangrove, c'est ce que c'est. Ouais, vite fait de vue. Bah, c'est comme un marécage, mais. Ah, c'est tout le contour! Et oui, voilà. Donc, la ville, le village du marécage, ça peut être Lake Oro qui est à l'ouest de l'île. Ça peut être le premier qui est en bas, là, Namuvaka. Ou ça peut être Balavu qui est au-dessus. Balavu. Là. Ouais, voilà. Ouais. C'est les trois villages qui se trouvent dans les mangroves. Alors, bonjour. Yes. Bonjour. Ah, je descends, attends. Je descends de l'hélico, tous les deux. Messieurs. Les concurrents bleus. Alors, déjà, je suis une fille, bonjour. Donc, s'il te plaît. Oui, mais on dit les concurrents, ça va. Alors, ouais, bonjour. T'as dit messieurs. Donc, on a Jackie le Barbu, Flak Coupe et Chouxette. Alors, je peux vous demander votre avis sur, sur aussi, l'état de. Notre... L'état de vos rivaux et sur votre action là. Qu'est-ce que vous avez fait à la suite de leurs blessures? Oh, moi, je dirais clairement easy. On a décidé de la jouer fair play. Donc, on attend parce que voilà, on veut pas non plus. C'est du beau jeu, c'est du beau jeu, il y a beau jeu. On veut que France 3 puisse placer une pub quand même. Si on va trop vite, ils auront pas le temps de mettre une pub. Vous pouvez passer une pub, c'est bon. Donc attendez, remontez un hélico s'il vous plaît. Et donc là on attend pour partir. Au revoir monsieur, on n'a pas le temps de gagner de l'argent nous. On est parti. Il est où mon hélico? Merde, mon hélico. Merde. Non, pas un copilote, un copilote par contre. Attends, j'ai pris la place de l'autre. Et oui, c'est ce que je disais. Ah, et sinon vos impressions sur vos premiers indices? Bon, ça se passe très bien. Il nous a fallu une période d'adaptation pour comprendre le raisonnement des créateurs, mais bon. Ah. Allez, c'est parti, on décolle. Bon, et eh bien, bonne chance pour la suite des opérations. Hein. Merci beaucoup. Et bonne route. Votre pilote vous attend, c'est ça. Ah, bientôt. Retourne avec mon pilote. Hein. Ok, donc Flaco, t'as compris? Attendez, on a On est en panne d'essence, non? C'est-à-dire, nous avons un suicidaire parmi nous. T'as compris, Flaco? Là, je vais à 800 mètres là où vous m'avez marqué. Ouais, là. Ouais, tu survoles. De toute façon, c'est dans la destination de là où j'ai écrit silo. J'espère qu'il y ait silo, mais on cherche des hangars ou un silo, un grand silo proche des champs, à mon avis. Normalement, on stocke la nourriture proche de là où donc elle est produite. Là où tu m'as marqué là. Ouais, on le survole juste. Pas de silo du tout. Ouais, voilà, c'est trop petit, tu vois, c'est ce que je me disais. Donc, je vais juste mettre un petit repère sur silo. Ouais, je pense que c'est le mieux. Tout en ouvrant l'œil, hein, on cherche des grands hangars ou. Ouais, ben là, je. Et le pont où j'ai mis silo, c'est vraiment random, c'est parce que c'est un bâtiment différent des autres et qui est proche des champs, dans la ville qui est la plus entourée de champs, la plus grande ville qui est entourée de champs, donc j'imagine que normalement on garde la nourriture proche de la ville et proche des champs, donc c'est la grande ville. Bon, l'esprit de déduction me dit que voilà, au pire c'est pas très loin, on peut raisonner encore, mais en gros on va tourner autour des champs. Si, c'est droit devant, t'avais raison, regarde. J'avais raison. Ouais, là je vois des silos. Les silos, c'est parfait. Du coup, je vois des véhicules, donc c'est des camions, je sais pas si ça va super vite, mais C'est pas grave, c'est au pire, on passera par la ville. Le panneau, il est en haut du silo. Hein. Ah, ok, donc il faut qu'on grimpe. On fait quoi? Tu montes, je monte? Vas-y, monte et moi je pars vers la ville. Il y a des véhicules dans la ville, est-ce que tu vois des véhicules? Dans la ville. Alors, ouvrez les yeux, moi j'ai. Je vois pas de véhicules dans la ville. Je vois pas de véhicules. Non, je pense qu'on va devoir prendre un camion, on a pas le choix. Hein. Vous voulez un camion ou vous voulez qu'on aille au pont voir ces véhicules? Non, je pense que non, ça sert à rien. Autant qu'on descende là, on prendra un camion. Vas-y, ouais, descends, ouais. À part si tu penses que les camions soient morts.
Non, non, les camions ont l'air en bon état, il y en a trois maintenant. Non, je pense qu'on va faire comme ça parce que le problème c'est que si on va jusqu'au pont, qu'on trouve des véhicules, on va devoir prendre des véhicules, aller sur le pont, revenir ici et remonter sur la deuxième île. Par contre, si jamais vous prenez un camion, prenez-en quand même, ça va faire play, il y en a deux. Oui, oui, on en prend qu'un. Ouais. On cassera le second de toute façon. Ouais. Mais il y en a trois. Il y en a trois en plus, ouais. Oui, non, mais deux petits quoi. Ok. Pas attends, je passe en dessus, hop. Merci. T'inquiète. Tu montes sur le silo, mais il y en a deux de silo, c'est le grand. Je vais prendre le grand. Je pense. Il y en a 3 même. Ok, vas-y. Ah, mais je le vois, il est sur le grand. Oh, c'est le fuel driver. Je crois qu'il ira plus vite que l'autre. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Juste attention avec ces véhicules-là, une collision. Ok, c'est encore des coordonnées. What? C'est des coordonnées, tu les notes? Oui, oui. Note bien les tirées, hein, je te trompe pas. Ouais, j'ai failli. Je t'attends en bas du silo. Y'avait une énigme, y'avait rien. Y'avait pas d'énigme, rien que des coordonnées. Ça disait juste que. Ouais, c'était. Attends, moi il fait peur, j'ai remonté. Non, ça me disait qu'après il faudra les donner pour donner au pilote pour. Tu veux quand même que j'aille vérifier, on a de l'avance, hein, je peux y aller. Hein. Mais. Jean, t'as bien lu, fais confiance en toi. Non, j'ai bien lu, mais elle m'a mis le doute quoi. Bah, la logique voudrait que ce soit des coordonnées comme pour la première mission. Alors, résolvez les trois énigmes pour compléter les coordonnées. Une fois les énigmes résolues, contactez le pilote pour voir pour vous faire. Tu vois rien autour de toi sur les autres silos? Non, il y a que ce panneau. Ok, vas-y, let's go. Du coup, vous allez au pont. Ouais, comment on fait déjà pour mettre un point de repère? Tu fais shift et tu cliques. T'inquiète, je vais faire que. Tu veux, Matsa peut te guider ou Chou, hein? Ouais, vous allez me guider, il va falloir qu'on traverse la ville. Chou te guide avec le GPS quand même. Je récupère la route principale. Vas-y, ouais. Vas-y, go. T'es dedans? La route principale est derrière moi. Ouais, je suis dedans. Pas à droite, là. La route, elle est droite devant, tu vois. Genre... Attention, il y a des... T'inquiète, je maîtrise. Prends tout droit, là. Non, là, c'est mieux. Non. C'est pas mieux, là? Non, c'est pas mieux. Non, tu vas dans le mauvais sens. C'est pas mieux, là, pardon. Des champs de cannabis. Choc, tu parles, réserve de nourriture, réserve de weed, ouais. Et là? Ah, tu veux vraiment qu'on prenne la route orange, toi? Prends la route principale. Et là, c'est un grand virage à 200 mètres. Ouais. Maîtrise, je t'ai dit, je trafiquais la cocaïne, c'est fou. Oh, ça lag. À droite, là. Gauche. Ok. Continue. Première à droite. Ça lagouille, chef. Tu la principale et tu prendras la... Non, suis toujours la principale, tu prendras aucun... Ok. Aucune direction. J'ai pété les ponts sans abandonner. Bon, je pense qu'on est pas trop mal, là. Ah, techniquement, vous êtes premier, je pense. À moins qu'ils soient partis à une autre endroit. Ah, ils ont pu le faire dans l'autre sens, hein. Vous avez bien trouvé le silo, quoi. Pour moi, c'était ça, le... Ouais, je pense que s'ils mettent un petit peu de temps, qu'ils étudient mal la carte... Ils vont survoler beaucoup avant de trouver les silos. Le pilote blanc il est déter hein, parce qu'il vient de me passer dessous le nez. Ouais, je sens la collision dans pas longtemps, tu vas voir. Donc là on se dirige vers le pont. Vous demandez ce qu'on fait, on se dirige vers le pont, on cherche le milieu du pont, ok. Logiquement, hein. Ça se trouve notre esprit de déduction il a pas été bon, on sait jamais. Mais bon, quand même, entre deux terres. C'est ça. J'aille au pont direct. Dans un pont, doit y avoir des ouais, tu peux aller vers le pont, hein. Eh, tu peux nous dire s'il y a, je sais pas, une circulation ou un... S'il y a un meilleur véhicule, surtout. Ouais, aussi. Alors là, je suis au pont. Alors, en bas du pont, il y a des véhicules. Si vous prenez à gauche, là où il y a le petit chemin, il y a des véhicules. Ok. Mais je sais pas, ça va nous faire perdre du temps, hein. Franchement, il est bien, ce véhicule. À gauche, maintenant. Ah, il est bien, ce véhicule. C'est quoi, on s'en bat les couilles. Mais non, parce que non, on va continuer en véhicule, je t'inquiète. Te rappelle. T'es bête ou quoi? Il y en aura d'autres. Donc là, ben, j'ouvrais les yeux, moi je vois rien. Et j'espère qu'il est pas au milieu de la route le panneau parce que sinon on va le voir, mais bien comme il faut. Non, mais attends, parce que ça se trouve, ça allait pas. Ah, je crois que je le vois. Là, il y a un truc là. Arrête-toi. C'est quoi, on s'arrête même pas. Mais si, t'es con. Là, tu vois le panneau. Ouais, c'est bon, je l'ai. Vas-y, go. T'as tout noté? Ouais, c'est bon, tu peux te casser. Y'a rien d'autre? Ok, donc il faut que tu survoles la première mangrove qui est sur notre gauche, je crois que c'est la plus proche. Ouais. Y'a un village. Il faut, on cherche une grande hutte. Non, lui plutôt, il va aller à la deuxième derrière, la Laikoro, et nous on va aller à Navuka. Ok, donc je vais où? Namuvaka.
Moi je vais aller. Tu vas vers la deuxième mangrove, Leikoro, et tu nous dis si tu vois une grande hutte, mais vraiment d'accord, une là, grande je vois une... hutte. Ok, ok, ok. Et moi, guide-moi pour la première. Dis-nous, hein, si tu nous bah, la première est sous moi là. Fin... Et la première à quoi? La première à gauche. Pour le moment, je vois rien, je vois pas de grande hutte. Okay. Alors qu'est-ce que vous entendez par grande hutte? Une maison? Bah, une hutte plus grande que les autres. Bah, une hutte, normalement, c'est un toit en chaume ou quoi, tu vois. Alors là, il y a des petites maisons, mais c'est pas, elles ont pas de toit en chaume. Dans mon village là, pareil, il y a pas de toit en chaume. Il y a que des maisons assez. Et Air, continue tout droit. Ouais, je continue. Et pour moi, une hutte, c'est une maison, mais traditionnelle, quoi. Oui, avec un toit en chaume. Donc en bois, toit en paille, en chaume, un truc comme ça, quoi. Mais là, je vais au village que vous m'avez dit. Vas-y, on est sur la route principale. Guide-moi, je trouve que ça te chiche, n'aime pas. Ah, si, moi je vois une hutte. Là où je suis, il y a une grande hutte. Ok, bah tu prendras. Prends la première à gauche. Là. Il y a des véhicules, il y a des véhicules aussi. Ah, nickel. C'est quoi comme véhicule? C'est des jeeps, mais techniquement c'est la troisième, donc électroyage, hélicoptération, machin, ma bite. Ouais. Bah, dès que t'arrives, Chouxette, je pense que tu peux envoyer. Drop direct, ouais, je récupère les coordonnées, quoi. Là, tu suis, tu prendras la première à droite. La première à droite, ok. Bon, tu suis tout bêtement, en fait, hein. Tu suis la route, tu t'auras pas besoin de prendre de... Chum, oublie tout. La seconde à gauche. Suis la route et tu prendras la seconde à gauche. Là, la seconde à gauche, là? Mais la seconde, wesh. Ah, parce que j'ai pas pris de première à droite, déjà, là. Si? Non, je t'ai dit, tu suis tout le temps la route et tu prendras la seconde à gauche. D'accord. À noter qu'on se balade avec un truc de fuel. Ouais. Y'a moins qu'on... On éradique la forêt. Donc là, c'est la première à gauche. Et nous, on cherche la deuxième à gauche. Vous êtes... Ouais, ok, je vois. Tu veux qu'on allume un feu? Vous êtes là où l'hélicoptère blanc au survol? Alors là, au-dessus... Ah, j'ai un toit panoramique, mais je vois pas d'hélico. On est sur un chemin en terre... Je le vois pas non plus, mais je l'entends. Un chemin en terre, je klaxonne, si tu veux. C'est le mec là-bas. On longe la forêt, qui doit être parallèle probablement à la mangrove. Et des palmiers. C'est ça. Et le village, et je vais me mettre... Ah, t'inquiète, normalement. À l'intersection, ouais, voilà, je vois. Il est... Ah, t'es en face de nous, ok. Intersection à gauche là, on tourne à gauche là. Ouais. Maintenant. Nickel. Est-ce que vous voyez l'équipe rouge par hasard, monsieur le pilote? Ah, j'ai. Là. La grande hutte, je la vois. Ah oui, c'est immense. Oh mon dieu. Immense. Vas-y, on va descendre ici parce qu'il n'y a pas de chemin. Get out, je laisse tous les moteurs allumés, je m'en bats les couilles. Et c'était de la verre. Alors pensez-vous que là où je suis, tu pourras te descendre ou pas? Oui, si tu veux, là je peux. Ok, j'ai la grande hutte. La verre, on est d'accord, hein? Ouais, la verte, on change d'île là normalement. Gratuit. Nice, c'est jeté. Wesh, c'est quoi l'entrée? C'est de l'autre côté. Ok, c'est 3-1 les chiffres qui te manquent. Ça marche. 3 en 3ème position, 1 en avant-dernière position. Parfait, on y va. Donc tu peux lui donner les coordonnées si tu les as déjà. Moi je décolle pas tant que j'ai pas les coordonnées. Oui, t'inquiète pas. Je te donne les coordonnées, c'est 123-018. 123-018-123. Imagine que si on se trompe à ce moment, il va nous amener n'importe où, cet enculé. Ouais, t'inquiète, il va vraiment le faire. Alors attendez, 123-018. C'est au milieu de l'eau, y'a un souci. Ok, j'ai 123-018. Allez, go, on a pas que ça à foutre, nous. Ok, 11 km, c'est pas vraiment. 11 km, nickel. T'es bien, Chouxette, on s'en sort bien, je suis content. C'est cool, les gens, vous aimez bien, vous passez un agréable moment. Désolé, je regarde pas le chat comme je vous ai dit, mais vous avez vu, c'est quand même assez. Donc 124-018, ça correspond à où, monsieur Flaco? Je vais regarder, c'est sur l'île en bas, au nord de la ville. Au nord de la ville de... L'aéroport? Non, l'île jaune. Le principe, l'île jaune, oui. Et c'est à Tagar. À gauche de Ririki. Ok, à gauche de Ririki. Essaye de regarder, Chouxette. Tu sais, si tu vois déjà des trucs comme des ruines, des points d'intérêt, tu vois.
Il y a un aéroport, il y a des quais, on dirait des quais, mais des quais industriels. Ah, la forteresse. Y a aussi la... Obligé, il y a quelque chose sur la forteresse en ruine. Ça, une forteresse. En pleine dans la baie, là. Dans Villagean ah, oui, Bay, la... Hollander. Oui, oui. Ouais, je pense voilà. aussi. Il y a les ruines, il y a un petit pont qui l'amène au sud. Après, il y a le pont principal aussi entre les deux grandes. Les ouais, deux mais ça sera la suite logique, tu vois. Ah, mais les autres, ils ont laissé leur véhicule là, au pont, je les vois. J'ai vu le véhicule citerne posé sur le pont à côté des. Ah, nickel, ils ont un plein hélico, tu crois? Soit ils ont un plein hélico, soit ils ont pris le 4x4. Ah, ouais. J'ai pas fait gaffe à combien de jeeps il restait. Il y a de la montagne. Il y a une petite île isolée au nord-ouest. Ils ont peut-être même pris un bateau, hein, parce qu'il y avait, y avait des bateaux aussi. Qui sont cons. Pour aller sur la mangrove. Non, pour aller sur la mangrove, c'est plus rapide à bateau. Ouais. Ouais, vite fait. Il y a l'île Saint-Georges à l'est. Je vois pas d'autres ouais, points d'intérêt là. Tu as d'un en bas à gauche. Forest Clearing. Il y a une scierie. Une scierie au milieu de la forêt, au-dessus de l'aéroport. Ouais, au-dessus de l'aéroport à droite, il y a une petite zone claire avec écrit Forest Clearing. Il y a une clairière, tu veux dire. Ouais, mais ça doit être rad. Il y a des hangars avec des trucs marrons là. À tous les coups, c'est de la déforestation là. Ouais. Eh, hey, à fond, Flaco! Penche-le, Stélico, penche-le! Eh, hey, si tu nous plantes, rembourse l'émission. J'ai des consignes, je dois 1000 kilos. Est-ce que vous voulez que je fasse atterrissage vitesse? Je vous le déconseille d'accepter.